ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. This is alias Sérénium, baby, je me présente. Hein. Moi, c'est un nom. Hein, dans le jargon astronomique, on pourrait dire que je suis une sorte d'éclipse totale hein, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, bien, et moi, je dirais que je me sens un peu comme un appareil GPS hein, qu'on aurait offert à un aveugle, hein, que du coup, malheureusement, personne ne branche jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie hein, que moi, je suis physiquement. Hein, selon la longueur de vos cheveux et hein, de votre barbe de Moudjahidine. Vous êtes du coup une sorte de mix entre cette sorte de rappeur de proximité hein, qui est ce beau vieux Camaro et ce chanteur suédois hein, aussi charmant que non charismatique, hein, qui est le sympathique et Golay Chéri. Et bien, et puis, malgré cet ascendant tiers-monde, hein, non, malgré cet ascendant tiers-monde, hein, qui normalement hein, ne devrait plus être un souci, en tout cas pour les 5 années à venir, et bien, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on rencontre un rappeur, acteur, écrivain de talent hein, qui bat bien, qui a grandi en banlieue. Une zone où il faut bien l'avouer, généralement les adultes, au hein, niveau scolaire, hein, un enfant de CE2, et bien malgré ça, hein, en marge de vos activités de rappeur rocker, hein, vous revenez aujourd'hui hein, avec un deuxième roman intitulé René, un livre d'anticipation ambitieux hein, dans lequel, après avoir été élue hein, présidente de la République en 2017, et bien cette bonne vieille marine hein, prend les mesures qui s'imposent, hein, à savoir rétablir la peine de mort, abaisser la majorité à 14 ans et enfin imposer à tous les rachis et autre Youssef de porter des noms de bons français, parce qu'après tout, on est en France, démesuré. Évidemment, hein, aussi raciste que tentante, hein, auquel je suis sûre, hein, mon CRS de père adhérerait à 100%, dans le sens où je sais que mon petit niveau. Ayant grandi en région PACA, hein, et plus précisément à Marignane, un véritable berceau de la flamette tricolore, et bien de ce fait, je peux vous dire que malheureusement, hein, pour mes petits amis, hein, ascendant choc à pic, hein, comme on dit, au Front National, et bien mon père et ses amis de ratonnade n'ont là pas attendu l'élection de Marine hein, pour rétablir la peine de mort. Et en parlant de finir au trou prématurément, justement, hein, dans votre livre, hein, du fait de l'abaissement de la majorité à 14 ans et de la découverte du vaccin contre le sida, et bien votre personnage principal, hein, un certain René, âgé de 13 ans, est l'un des rares puceaux hein, de sa génération. Une précocité sexuelle à laquelle, et bien j'ai là ce thème aussi confronté, ce thème en plus jeune âge, hein, quand je sais qu'à mon petit niveau. Même si évidemment, hein, en grandissant, la fréquence de mes rapports s'est très nettement espacée dans le temps, hein, au point de permettre même à mon hymen hein, de se régénérer, et bien pour autant, hein, ayant passé de nombreux étés chez mon pépé, hein, qui avouons-le, a toujours considéré hein, qu'un enfant devient adulte hein, le jour où il sait maîtriser son sphincter, et bien de ce fait, hein, je peux vous dire que malheureusement, hein, je n'avais pas encore perdu mes dents de lait hein, le jour où mon pépé est venu jouer les petites souris dans mon terrier, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et à propos d'images poétiques, justement. À propos d'images poétiques, justement. Dans votre roman, le personnage d'Edgar, un Congolais adepte du fast-fuck, hein, dit avec beaucoup de classe, en parlant d'une ex-conquête, la girafe, là, je lui ai montré le Congo dans les toilettes, hein, bam bam bam, du grand hard. Hein, et vous savez quoi? Eh bien, j'ai envie d'y voir un signe, hein, quand je sais qu'à mon petit niveau. Même si physiquement, je suis évidemment plus proche de la loutre que de la girafe, et bien pour autant, hein, sachez que ben, comme ma banquise et moi-même hein, serions absolument ravis à l'idée de vous laisser nous montrer votre Sénégal, hein, si vous voulez, ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, hein, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'aurais tenté ma chance en Grèce, hein, où les fachos siègent désormais au Parlement. Hein, donc c'est comme moi, hein, le plan d'austérité de l'amour qui est en vous. On n'a pas peur hein, des relations un peu extrêmes, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Avec bon cœur, monsieur. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Move.